Après avoir suspendu le Parlement et limogé le gouvernement en juillet dernier, le président tunisien a dissous le Conseil supérieur de la magistrature, une instance indépendante créée en 2016 pour nommer les juges. Et pour les magistrats, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Depuis cette décision controversée, Kais Saied fait donc face aux pressions croissantes des juges. La dissolution de cet organe judiciaire clé est vue comme un revers démocratique, mais le président tunisien, qui a souvent critiqué une partie des juges qu'il accuse de corruption, estime que le Conseil supérieur de la magistrature a notamment ralenti des enquêtes sur les assassinats en 2013 de deux militants de gauche. Il accuse aussi l'organe judiciaire d'être manipulé par le parti islamiste Ennahda, parti qu'il s'efforce de marginaliser depuis son coup de force de juillet. C'est donc un bras de fer qui s'annonce entre le président et les juges. Pour protester contre cette mesure, l'Association des magistrats tunisiens a annoncé une grève cette semaine.